fois qu'on s'est rencontrés, tout le monde ensemble, tous les membres de l'ensemble d'aujourd'hui, on se connaissait pas vraiment. Et là, en allant aux pratiques, en faisant des concours, on a réussi à créer des liens d'amitié. Et avec le voyage à Paris, on s'est encore beaucoup, beaucoup plus rapprochés parce qu'on a vécu une semaine avec les mêmes personnes, donc on a réussi à se connaître plus et à créer des liens plus forts. À Paris, ça a été vraiment marquant pour nous. Ça a permis de créer encore une plus belle chimie qu'on avait. Puis juste de pouvoir jouer avec d'autres musiciens qui viennent d'ailleurs, donc de Paris, c'était vraiment spécial. Puis ils nous ont même remerciés. J'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de tourisme, le Louvre, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. C'était tellement beau. On dirait que c'est un rêve. Ben, ça tourne? Quand on est prêt, Richard. OK, c'est bon pour moi. Las Ramblas, prise 2. En secondaire 3, il y a 2 ans, qu'on a été à l'école Marguerite de la Jemeraye à Montréal, la prestation qu'on avait faite là-bas était vraiment incroyable. Sérieusement, on était précis, on s'écoutait, on se regardait, puis vraiment c'était intense. Puis aussi, un de mes autres moments que j'ai fait, c'était l'année passée, mon premier solo. J'ai composé moi-même, mais ça m'a pris quand même à peu près 2-3 semaines faire ça, un mois, là, à peu près. Même moi, je m'attendais pas à réussir aussi bien mon solo. Là. Même mes coéquipiers, mes coéquipiers et coéquipières de l'ensemble Guitare Champagnard m'ont félicité. De l'ensemble Temps Champagneur, on peut parler de l'écoute. Donc, au-delà de la musique, il faut écouter les autres pour mieux les connaître. Puis, il y a surtout la solidarité. On est tous un groupe, on est très unis ensemble. Donc, avec les nombreuses années, les pratiques, les concerts qu'on a eus ensemble, on a appris à se connaître. Puis, ça a solidifié le groupe. Puis, donc, ce sont les valeurs vraiment très importantes là, qui sont dans l'ensemble Temps Champagneur. La patience aussi, peut-être. Oui, énormément de patience qui est mise en jeu. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir.